Salut les mecs, c'est 87 Fun, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, on va partir dans le mode créatif. Et donc, voilà, on va découvrir les nouveautés de cette mise à jour. Alors, voyons voir. Déjà dans les actus, c'est ouf. Merde. Putain. Ah ouais, maintenant qu'on appuie sur paramètres, ça coupe. Mais on fera plus tard. C'est dans voir l'actualité. Et vous voyez, inverseur de tempête. Dans la boutique. J'ai changé mon code créateur, j'ai mis Vos. Je pense pas que vous connaissez. C'est bon. Donc on va dans mon île volcanique. Ça, je me le supprime. Ça aussi, merde. Ça aussi. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a un petit glitch. Un petit glitch qui permet de devenir invisible à l'infini. Donc en gros, faut aller dans les loots. Faut prendre dans appareil. Vous mettez plein de trucs comme ça dans les coffres. Et ensuite, attendez. Faut que vous preniez dans... Tac, pompe ténébreuse. Vous équipez. Et ensuite, vous ouvrez plein de coffres jusqu'à ce que votre inventaire soit rempli. Donc ça fait bugger. Hein. Ok, je peux encore en mettre. Alors, c'est pas suffisant, appareil. Tac, on recrée des coffres. Ça devrait être bon là. Tac, et donc là, vous voyez que... Voilà, votre inventaire est vraiment plein. Donc là, vous allez sur la grenade ténébreuse. Et là, vous faites... Tac. Ça, vous l'utilise pas. Et là, il y a un item qui tombe. Donc là, vous attendez que l'effet s'enlève. Et là, vous faites... Ah oui, mince. Parce que là, mon stuff, il est rempli. Alors, on va donc jouer. Tac. On la prend. Et là, voilà, on est à l'invisible. On est invisible à l'infini. Bon, alors pour arrêter d'être invisible, il faut utiliser la grenade. Et donc voilà. Et après voilà. Alors, passons aux nouveautés maintenant qu'on a fait le petit glitch. Attends, déjà on va virer des trucs pour avoir de la place quand même. Voilà. Ok, donc déjà dans les modes créatifs, dans les préfats, il y a vraiment d'autres trucs. Donc les trucs du spawn Mexique. Et je crois que c'est tout. Dans les galeries, je sais pas parce que j'y vais pratiquement jamais. Donc là, on a ça. Voilà, c'est une nouveauté. Et on a ça. Ça, c'est quoi?
Voilà. Donc on a ça et ça qui sont nouveaux. Après, on n'a rien de nouveau. Objet à usage unique. Alors on a des drapeaux. Voilà. Et c'est tout. Lancer le drapeau. Ah ok, donc c'est nous qui pouvons le placer. On peut casser des objets avec. Ah ouais. Voilà, on place par exemple le drapeau ici, on s'en fout. Là, ensuite, on va lancer le truc qui fait spawn la tempête. Donc voilà, contrôleur de tempête de base. Donc rayon de départ 50, rayon d'arrivée. Durée d'attente, on va mettre tout. On va mettre 10 secondes, enfin 5. Là, pareil. D'apparition, aucun dégâts. On va mettre 25 rayons de départ. On va mettre quoi? Vas-y, ça. Et ensuite, le truc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour par exemple régler des paramètres. Voilà. Au déclenchement, désactiver si reçu depuis. Ça, en fait, je sais pas du tout. Voilà, activer le démarrage du mini-jeu. Enfin, voilà. On s'en fout. Donc là, on fait mon île lancée. Et donc là, on aura vu toutes les nouveautés. Voilà, donc là, vous pouvez voir. Il y a une tempête. Ouais, par contre, ça fait mal la tempête. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment stylé. Ah, je me débrouille plutôt bien, je trouve. Hein. Merde. J'ai le drapeau. Ok, donc il s'allume, je sais pas pourquoi. Ah, c'est un objet en plus avec la pioche. Ah non, on peut pas prendre d'autres objets. On peut pas prendre la pioche. Et on peut pas construire. Mais je trouve ça vraiment super stylé d'avoir mis une tempête. Je ferai une map Battle Royale. Bah voilà. On a vu toutes les nouveautés du mode créatif. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres nouvelles maps. Quoi. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.